Les habitudes normales,
Monsieur le Président, c'était hier. Grand Fatangana, bonsoir. Pat, bonsoir. Rue de Sav, bonsoir. Lionel Banda, bonsoir. Kenneth Emma, bonsoir. Evelyne Wenan, bonsoir. Nsongambaya, Jean-Émile, bonsoir. Junior Kara, bonsoir. Jacqueline Yambala, bonsoir. Jean-Zavé Mbaraka, bonsoir. Gilles Coutin, bonsoir. Sitibien, bonsoir. Thérèse Lomo, bonsoir. Arcel Belibi, bonsoir. Winnie Alphonsine, bonsoir. Félicitine Brésil, bonsoir. Dominique Koua, bonsoir. Belibi Béala, bonsoir. Thierry Leader, bonsoir. Joseph, bonsoir. Bon. Mes chers amis, on ne va pas faire la guerre éternellement. C'est-à-dire, la guerre ne sera pas éternelle. Il y aura un temps où on va s'asseoir. Mais sauf que, si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu vas te faire rouler pour une deuxième fois. Nous avons été roulés une première fois. On ne va plus se faire rouler pour une deuxième fois. Je vous explique. La tripartite, on avait organisé la tripartite quand? En quelle année? Jean-Christian, bonsoir. La tripartite, la tripartite, c'était en quelle année? 92 ou bien 96? Quelque chose comme ça. La tripartite. Je vais avoir la date exacte. On a organisé la tripartite en quelle année? C'était en 96, non? Si je me trompe. Bonsoir, Kazé. On avait organisé la tripartite. C'était en 96, non? En tout cas, je vais vérifier. On a organisé la tripartite en 96. Sauf que vous vous êtes fait rouler dans la farine. Je vais vous dire comment vous vous êtes fait rouler. 92, la tripartite, ok. 92. Voilà, 91, 80. 91, 92, 91. Parce que l'élection était en 92, donc c'était en 91. 91, la tripartite. Sauf que vous vous êtes fait rouler sans vous rendre compte. Le président a annoncé le dialogue. Les gens sont en train de se préparer d'aller encore se faire rouler pour une deuxième fois. Mais heureusement, nous sommes là. Parce qu'il faut toujours partir d'un vécu pour faire une analyse et tirer une conclusion. Quand les gens sont allés à la tripartite en 91 pour négocier large débat, petit débat, je me rappelle bien ces mots, les gens se sont fait rouler. Cette fois-ci, on ne va rouler personne. Nous allons mettre les pieds et les mains dans le plat. Vous savez, quand on part faire un débat politique, il y a deux choses qui vont ensemble. Première chose, la vie des populations, comment améliorer les conditions de vie
des populations. Ça, c'est le domaine politique. Deuxième chose, le débat sur les positions économiques dans les 10 régions du Cameroun. Le débat sur l'économie au Cameroun, on a mis ça de côté en 91. On a mis ça de côté. Parce que si vous partez faire le débat politique ne crée pas d'emploi. Au plus, le débat politique va satisfaire les individus. La grande majorité va rester derrière le carreau parce qu'on a négligé le débat économique. Qui est le cœur de tout ce que vous voyez au Cameroun? Le débat sur des positions économiques. Eh bien, le président a annoncé un grand débat pour comment faire pour trouver des solutions pour nos frères et sœurs de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et il a dit, ça va aussi concerner les autres 8 régions. Il est temps. Attends, on va travailler une box. Il est temps que nous mettons sur la table le débat économique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très important. Le Cameroun n'est pas un pays industrialisé. Le Cameroun est une néocolonie. Il ne faut pas rêver. On part de quelque part. Étant donc une néocolonie, comment est l'économie de la République du Cameroun? Comment elle se comporte? Comment arrive-t-on à bâtir une économie dans une néocolonie? Si vous loupez là, on va vous faire rouler, on va vous rouler comme on vous a roulé en 91. Les gens n'ont que vu du feu. Je me rappelle, lors de cette période de ville morte et de tension, on n'avait pas compris où était la relation entre brûler la direction générale de la Citabank, qui était à l'époque à Bonakoma. C'est là-bas où était la direction générale de la Citabank. On est parti casser les vitres de la direction générale de la Citabank. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre où je vais sortir. Si nous tentons de négliger le débat économique, on est mort. Conséquence, ça fait en sorte que quand le calme est revenu, nous nous sommes posé la question que, mais je vous dis là, quelques années après, moi j'étais déjà grand. Moi j'ai eu mon bac en 94. C'est après le bac qu'on a commencé à se poser la question, mais où était la relation entre le débat politique et d'aller casser la direction générale de la Citabank. On n'a pas compris. À l'époque, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris pourquoi seulement la direction générale de la Citabank allait casser les vitres. Hey, James Onodono n'était pas le seul homme d'affaires à Douala. Il y en avait plusieurs qui faisaient les affaires à Douala. Pourquoi seulement la Citabank, on est parti casser les vitres? On a eu la réponse après, quand on a vu le rouleau compresseur
ça batte sur James Onubiono. Quand on a fait déménager Bastos, BAT, on a dit à BAT d'aller s'installer au Nigeria et de produire sa cigarette au Nigeria et de venir vendre au Cameroun. 10% de la production va passer dans la légalité, 90% va passer par la contrebande. Je vous parle là de la fermeture de la Citabac. James Onubiono, il est au Cameroun. Il paye les impôts au Cameroun. Il emploie les gens au Cameroun. Il ne peut pas faire il ne peut pas concurrencer BAT qui lui est installé au Nigeria. Il produit au Nigeria. Il vient vendre la cigarette au Cameroun. Voilà comment on a phagocyté Onubiono. Gars, on a plié le doigt. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Parce que les gens pensent qu'on a oublié. On n'a pas oublié. Deuxième phase. Le ministère du Commerce. On connaît qui était directeur de trucs à l'époque. Il a libéralisé la vente des frigos de seconde main venant de l'Europe, la brocante. Ça, c'était pour... On visait l'entreprise de James Onubiono, la FAEM. Ça montait les frigos. Ça montait les congélateurs et les climatiseurs. C'était en face de l'UCB. La route qui entre là pour sortir au marché de Dakar. C'est là-bas où la société FAEM était. Dès qu'on a libéralisé, dès qu'on a ouvert la porte de faire entrer les frigos de seconde main au Cameroun, la FAEM a fermé. Parce qu'elle n'arrivait pas à faire le chiffre de son chiffre parce qu'il y avait des frigos de seconde main. Je continue. Nous avons plié le doigt. Ça fait deux. Le premier Camerounais à se lancer dans les assurances. Parce que les gens ne le disent pas souvent. Hein. Je dis bien le premier Camerounais à démissionner de Amakam pour se lancer dans le domaine des assurances s'appelle Protea Anyama. C'est le premier Camerounais. Il démissionne d'Amakam, il ouvre son machin d'assurance à l'époque d'après, ça c'était Alico. Bonsoir MT. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Protea Anyama. On a créé une histoire, fabriqué une histoire, le phagocyté. Ça fait trois doigts. Nous avons plié. Je vous parle d'Embamo, hein. On a phagocyté. On les a phagocytés parce qu'on a obtenu des positions économiques après la tripartite. Parce que la tripartite avait entériné les négociations qu'avait faites à l'époque Père son âme, le père Kaji. Parce que quand les gens se sont réunis chez Kaji, ils ont réclamé une liste de choses qu'ils voulaient. Le président, le père Kaji allait voir le président de la République. Voilà ce qu'on réclame. Pour faire arrêter les villes mortes. Le président Biya a donné. C'est avec donc ces positions économiques qu'on a donc déroulé le rouleau compresseur sur les autres Camerounais qui se battaient avec des affaires. Vous avez aussi oublié, il ne faut pas aussi oublier le monsieur qui avait ouvert TV Max, la première chaîne de télévision camerounaise privée, s'appelait TV Max. Gars, ma tête là. Je n'oublie rien quand je mène un combat. Quand je mène un combat dans la loyale, je n'oublie rien. La première chaîne de télévision privée au Cameroun a un nom. Ça s'appelait TV Max. Je continue.
Il y a aussi le monsieur. Monsieur Gouet. Celui qui faisait venir les télévisions Gold Star. Monsieur Gouet. Il a été phagocyté. Le monsieur de TV Max, phagocyté. Je vous parle là du Cameroun. Hein. Il a été phagocyté. Eh bien, on est en 2019. Le président dit un grand dialogue national pour apporter des solutions aux maux qui minent les pauvres. En réalité, c'est les pauvres. Mais oui, TV Max avait été broyé. C'est la première chaîne de télévision privée au Cameroun. On l'a broyé. Le président dit dialogue. Vous allez vous lever, aller au dialogue. Dites-moi, vous allez partir au dialogue. Dites-moi un peu. Quel domaine économique vous avez en main? Quel domaine économique vous avez en main? Parce que le domaine économique est la clé de voûte. Les négociations politiques vont satisfaire les individus. Mais les négociations économiques vont satisfaire la masse. Si vous n'avez pas compris là où on est en train de vous canaliser pour vous tromper, c'est pour ça que vous voyez, certaines personnes font des posts bidons pour que les gens soient concentrés sur ça. Des gens font des interventions sur les chaînes de télévision pour que les gens soient concentrés. Gars, on ne me distrait pas. Je connais les enjeux. Jean Blaise Nguet, c'est lui. On l'a phagocyté. Est-ce que vous savez que Jean Blaise Nguet, que Nguet là, c'est lui qui livrait le poisson à Congelcam. Est-ce que vous savez? Il a été phagocyté. Il faut dire des choses. Maintenant, nous, les Mbamois, on va aller au débat. On va revendiquer la chambre de commerce. Je vous explique pourquoi la chambre de commerce. Je vous explique. Je vous ai dit tantôt, le Cameroun étant une néocolonie, l'économie d'une néocolonie a une manière de fonctionner. L'économie d'une néocolonie est basée d'abord sur des représentations des succursales étrangères dans votre territoire. Et ces représentations passent exclusivement par la chambre de commerce. Donc, quand un Bamois va récupérer la chambre de commerce, parce que la chambre de commerce a été créée en 1921, les Camerounais ont récupéré la chambre de commerce après le départ des colons. Dès que les Camerounais ont récupéré la chambre de commerce, le président Aïdjo a donné la chambre de commerce à nos frères de l'Ouest. Patrick, le Cameroun a eu son indépendance en 1960. N'est-ce pas? On est en 2019, non? Hein, Pat? En 2019. Tout le monde voit combien d'années nos compatriotes de l'Ouest ont géré la chambre de commerce. Ok. Maintenant, nous, les Bamois, on réclame la chambre de commerce.
Parce que si le président voyage, fait un voyage économique, il demande à la Chambre de commerce, je veux les hommes d'affaires. Comme le président, c'est un gars mbamwa, je remplis les mbamwa dedans comme ça. Les étonnes, les manguissa, les macas. C'est comme ça que ça se passe. Écoute-moi bien. Nous aussi là, on va gérer la chambre de commerce pendant 70 ans. Il n'y a pas de débat sur ça. On va prendre. Je vous dis que ça monte, ça descend. La chambre de commerce va nous revenir. Ça va nous revenir. Ça monte, ça descend. On va prendre la chambre de commerce. Parce que si nous partons au dialogue qui s'annonce là, sans mettre sur la table le débat économique, on va nous rouler pour la deuxième fois. Comme on nous a roulé en 91. Donc, quand vous ne comprenez pas les enjeux, vous ne savez pas. C'est pour ça que vous voyez cette agitation. Toute cette agitation est en fait diversion. On appelle ça diversion. Pour que les vraies choses restent cachées. Moi, mon but, c'est de mettre les choses cachées sur la table. Et on débat. Parce que l'Ouest Cameroun a géré la chambre de commerce depuis les indépendances. Autour d'une autre région. À défaut, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous avons mis un piège en 1994. On a mis un piège qu'il faut que quelqu'un tombe dedans. Je vous parle de 1994. On a déroulé notre piège. Ce que je parle aujourd'hui, je ne suis pas celui qui a commencé le combat. Moi, je continue seulement. Celui qui a mis le piège, il est mort depuis. Il a dit, voilà ça, continue avec. Je meurs, d'autres personnes continuent. On va prendre la chambre de commerce. Ça monte, ça descend. Ça sera comme ça. Celui qui a mis le piège nous a expliqué. Gars, je suis grand. J'ai les enfants. Quand lui, il mettait le piège, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas. Donc, il se battait seul avec ses petits moyens. C'était difficile le combat. Mais, à notre époque, c'est là. Il a mis le piège, il nous a expliqué le piège. Il nous a dit, tant que il ne commet pas l'erreur, ne parlez pas de ça. Laissez-les eux-mêmes déclencher. Dès qu'ils déclenchent, c'est ça que vous posez sur la table. Je vous dis qu'il est mort depuis. Hein? Celui qui a théorisé est mort depuis. Car nous, on continue seulement. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on vous prépare. La confiscation des des positions économiques au Cameroun. C'est ce qu'on vous prépare. Et on vous divertit. On vous divertit.
Je peux vous prendre secteur par secteur. Dès que mes beaux-frères reculent, j'ai dit ça l'autre jour et je répète. Monsieur Bibé, ministre des Transports, il met ça dans sa tête. On calcule la socature, là où il a son entreprise, là. On calcule l'endroit, donc le terrain. C'est pour ça qu'ils ont, c'est pour ça que les réseaux ont été activés. On va nommer Bibé ministre. Il va même faire 10 ans ministre, voire même 15 ans ministre. Mais le but, c'est de lui décourager l'idée de faire les affaires, lui décourager. Et un jour, il va se libérer de la socature, du terrain de la socature. Comme ça, nous, on va récupérer. Je suis en train de vous donner l'agenda. Ce pourquoi on introduit M. Bibé ministre, c'est la socature. Voilà. C'est ça qu'on calcule. En passant, vous savez là où la socature garait ses bus quand elle mettait les bus en rebut, là où elle garait les bus là-bas à Bédi. Vous savez, allez là-bas voir. Quand la socature enlevait les bus pour mettre à la casse, le terrain de la socture, c'est à Bédi. Quand tu es là à Bédi, haute tension, tu montes un peu comme si tu partais à l'hôpital général. Là, vers l'église presbytérienne, tu entres là, à droite. Allez voir le terrain là. Allez voir ce qui est là-bas. Je ne parle pas. Monsieur, mon frère Bibé, je t'ai dit, ne dis pas que je n'avais pas dit. Parce que ça va arriver. Parce que le plan, c'est de t'habituer à être ministre et oublier les affaires. On ne devient pas riche en étant ministre. On devient riche en faisant les affaires. Par contre, quand on est ministre, on part en prison. Vite. Ce pourquoi on t'a mis là-bas, c'est parce qu'on veut prendre la socature. Donc, moi, je te donne l'information. Si tu veux, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Mais tu vas m'écouter un jour. On va dire que le gars m'a fait là. Je te parle là que moi, on m'a expliqué ça à peine dès que j'ai eu mon bac. On m'a fait asseoir. On m'a dit voilà. Tu prends le relais. Parce que nous, on est déjà vieux. Moi, j'ai la chance. Facebook direct est là. Maintenant là. Le plan qui va venir là. Une seule condition qu'on nous dise de ne même plus. Qu'on nous dise que bon, vraiment, la chambre de commerce là, vous ne voyez pas qu'on peut vous donner autre chose. Non, c'est une seule condition. On va vous dire la condition là. Mais pas aujourd'hui, on n'est pas pressé. Mais la chambre de commerce, non. On ne peut pas laisser. Parce que nous avons compris comment ça fonctionne. Dès que. J'allais oublier. C'est très important. Je veux parler ça à la fin. Il faut que je note. Je veux parler ça à la fin. Voilà. Vous irez là-bas.
à Yaoundé. Grand débat national, vraiment. Moi qui vous voyez là. Moi, je vais signer un partenariat avec les entreprises canadiennes qui vendent les remèdes. Je vous prends un exemple. Si ça marche, ça veut dire que j'aurai un contrat des Canadiens. Il va falloir que je m'installe au Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il me faut, mes délégués médicaux. Ceux qui vont promouvoir les produits canadiens au Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est verrouillé. Si je viens, on me bloque. Si je viens, on me bloque. Ça ne marche pas. Non, Lionel Banda, j'ai parlé des étoiles, non? Les étoiles sont nos voisins. Est-ce que quand nous on mange, ils ne doivent pas manger, mon frère? C'est comme le bafia, les étoiles, c'est comme la cuillère et le dos de la cuillère. Tu connais, non? Le bafia, les étoiles, c'est comme le dos de la cuillère. Toi-même, tu le sais. Je ne te dis plus rien. Conséquence. Si vous ne comprenez pas l'affaire là, on va vous tromper. Clair et net. On continue, Lionel. On va voir ça après. Non, Lionel, moi, il bagarre pour tout le monde. Je te dis là, toi-même, tu sais ça. Mon frère, j'ai cité monsieur Gouette ici. Je n'ai que pris cela. Hein. Gars, il y a plein de gars qu'on a phagocytés là-bas qui sont venus avec des bons projets pour le Cameroun. Gars, ils ont été phagocytés. Donc, si ça marche, vous voyez une position économique que je vais prendre va ouvrir environ au moins 300, 400, 600 emplois. Ok, si je prends une position pour le politique, ça va me donner quoi? Il y aura les délégués médicaux qu'on va former chez les dirigeants, dans les dirigeants. Il y aura les pharmaciens qui vont être là, ceux qui vont vendre moi les produits canadiens. Mais gars, à l'heure actuelle, mon projet ne peut pas aboutir. Parce qu'on va me mettre le coude comme ça. Bah, tu vas où petit? Tu veux passer ici là, on me met comme ça, tu vas où petit? Gars, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Prendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, non. Vous ne comprenez pas ça. C'est ça l'enjeu là-bas. C'est ça l'enjeu. Je suis là-bas. Gars, je ne tiens que position économique. Je vous prends un exemple. Hein. Donc, si ça marche, rien que cette position que je réussis à avoir, MT, moi, MK, je ne sais pas, ton téléphone là, c'est comment aujourd'hui? Voici la position, c'est horizontal. C'est pas la première fois. Position économique, ça crée de la joie tout autour d'une position économique. Mais vous partez lutter pour les positions politiques. Les positions politiques, c'est les individus. C'est une personne. Donc, c'est ça l'objectif. Si vous ne comprenez pas l'affaire là, c'est pour ça que je vous dis, donc, ne peut pas
parler de ça qu'un gars qui maîtrise comme moi là. Parce que si vous ne maîtrisez pas le... C'est pour ça que les gens n'aiment pas qu'on parle de l'histoire au Cameroun. Si je vous déroule l'histoire économique du Cameroun, vous allez pleurer. Je dis, vous allez pleurer. Vous vous rappelez du jeune Camerounais. C'était un gars anglophone qui venait avec une entreprise de ramassage d'ordures qu'on appelait Scan. Vous rappelez? Il avait les camions verts. Vous vous rappelez? Ça s'appelait Scan. L'entreprise s'appelait Scan. Les camions étaient peints de blanc vert. Je ne continue pas. Parce que la fin était triste. Donc, je sais de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas le Cameroun, ce que vous avez vu en affaire, tout ça, ce sont les positions économiques. Mais on ne vous dit pas. On vous dit, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Quand moi j'étais au Cameroun, quand je travaillais chez Bolloré, j'étais responsable de la section qui réparait les machines de 7 tonnes à 200 tonnes. Quand une grue entrait au garage, ou bien un challengeur entrait dans les ateliers, le beau disait, il m'appelait, il y a quoi? C'est ça. Ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas tromper une deuxième fois. C'est pour ça que vous voyez, je sais comment ça fonctionne. C'est pour ça que les gens se méfient de moi. Dis que le gars là. Parce que quand tu connais là où les gens dorment, tu peux enlever le lit. Ils dorment au sol. Vous irez à Yaoundé, discuter les postes politiques. Vous oubliez ce qui est important, l'économie. C'est fini. L'autre là. C'est pour ça que vous voyez l'idée que nous sommes en train de mettre là, qu'on a commencé avec la Web TV. L'objectif final, c'est d'avoir une compagnie de téléphonie mobile. Ça, c'est l'objectif. Parce qu'il faut toujours avoir un objectif. L'objectif, c'est de partir de petit là pour avoir une compagnie de téléphonie mobile. C'est ça la vérité. Et on sait comment on manage ça. On sait comment on va faire les jonglages. On va aboutir à ça. C'est ça qui est la question. Vous allez chercher à obtenir des positions politiques. Vous allez perdre. Je veux vous expliquer quelque chose. Dans la téléphonie au Cameroun, MTN, c'est pour un anglophone. Orange, c'est pour les Français. Nextel, c'est pour un Wadjo. Donc, mes beaux-frères veulent pour eux. Ils veulent pour eux, c'est normal. Donc, si ils veulent pour eux, nous aussi, il faut que ce soit voir pour nous. Attendez. Sortez du sommeil, vous dormez. J'ai dit, vous dormez. Et dès qu'ils
ils vont obtenir ça pendant ce dialogue aussi. Et nous, on sera où? On sera où? On sera où? On va applaudir. On nous a nommé ministre. On va applaudir. Ah, on nous a nommé gouverneur. Entre-temps, on dit, regardez-moi les gens là, ils n'ont rien compris. Nous-mêmes, on sera où? C'est pour ça que j'ai dit, mon frère, laissez l'État tranquille. C'est pas un problème de l'État, il faut faire du lobbying. Je ne suis pas contre que les gars se battent pour avoir leur part. Nous, alors, c'est où? Nous, pour nous, c'est où? On continue à dormir. On dit non, l'État va tout faire. Il n'y a pas le travail pour les jeunes du centre. Il n'y a pas le travail pour les jeunes du sud. Il n'y a pas le travail pour les jeunes de l'est. Mon ami, réveillez-vous. Trop endormi là. Ça va comme ça. Il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour se réveiller. C'est de ça qu'il est question. Vous allez dire que vous n'avez pas dit. Je vous dis. Parce que avant, on ne pouvait pas parler parce qu'il n'y avait pas l'occasion. Pas l'occasion. On attendait. Le piège a été installé en 94. Il n'y a pas moyen. On peut parler ça. Ce qu'il parle là aujourd'hui, il peut parler ça. Même là, même en 2015, 14. Non. Parce que derrière le calcul, nous on calculait. On calculait. C'était, comme vous voyez, le chat et la souris. Tu fais un pas, je fais un pas. Tu recules, je recule. Parce qu'il ne fallait pas qu'on soit à découvert. Bon, même maintenant qu'on est à découvert, on pose maintenant, voici ce qu'on veut. Vous pensez que les gens ne vont pas s'organiser? Et les gens vont s'organiser, clair et net. À nous de savoir ce qu'on veut. Vous allez rester là chaque fois à dire, je travaille ici. C'est bien pour dire que je travaille là-bas. Gars, organisons-nous. On ouvre aussi notre part de compagnie de téléphonie mobile. C'est simple. Ça ne coûte pas cher. Hein. C'est juste la volonté. C'est pas cher. Juste la volonté. C'est tout. On fait du lobbying. On nous donne notre agrément. Le père Paul Biya est encore, il n'est pas encore parti. Il nous suit notre part d'agrément propre. Vous savez, en quelle année on a signé le machin de Canal 2. Si on vous dit, hein. Pardon, ça n'existait même pas encore. On a dit, seulement attends, le jour où on va ouvrir, tu commences. Retenez une seule chose, c'est comme ça que ça marche. Comme je dis ça là, ici là, je ne vais plus parler, je ne vais plus vous dire ça. Ceux qui veulent dormir, dormez. Parce que vous pensez que quand les autres s'organisent, ils s'organisent parce que demain vous allez dire que non. Non, c'est l'organisation. Le tout, c'est l'organisation. Nous, on a compris que c'est la diversion qu'on fait. C'est l'économie. Le tout, c'est l'économie. Tout ce qu'on vous dit là, nous voulons notre état et machin, c'est l'économie que les gens visent. Je vous ai pris l'exemple. Hein. Si mon projet aboutit, je vais faire comment pour m'installer?
avec les deux qui sont là au pays. Il a fait comment? Donc, le débat qui vient là, ça va chauffer. Si les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire là, oh. Ils diront qu'Abdel était un prophète. Ce n'est pas un point de prophète, c'est que tu prends juste le Cameroun, tu mets sur la table. Tu mets le Cameroun sur la table. Tu pars du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu commences à disséquer. Tu comprends? Tu comprends? Je vous redis encore la position politique, c'est pour un individu. La position économique, c'est pour la masse. Grand Fatana, je vais te dire quelque chose. On voit l'invitation. Moi, quand je parle ici, je parle parce que si Kamto ne faisait pas d'erreur, je n'allais pas être ici là pour vous parler. Nous, on priait Dieu qu'il fasse l'erreur. Dès qu'il a fait l'erreur, mon ami, le 8, j'ai commencé à faire les vidéos. J'étais content jusqu'à la joie, mon frère. Il dit que, ah, mon frère, depuis 94, qu'on attend ça. La joie que j'ai eue le jour-là, quand j'ai vu la vidéo de Kamto en disant que, mesdames et messieurs, j'avais pour mission de tirer le plateau, j'ai dit que, God, tu ne dors jamais. Il ne dort, mon frère. Il ne dort jamais. Nous, on dit que mais on allait mettre ça sur la table comment? Le gars est dans notre piège. Tchungum. Et il s'est rendu compte qu'il est rentré dans le piège. Il voulait sortir. Gars. On a encore bien tiré les cordes. Qui ne sortent pas. Il est attaché. Parce que là, il est en prison, là, il est attaché. Jusqu'à nous, on va obtenir ce que nous on veut. Pas la monnaie, les gens me suivent. On n'obtient pas ce qu'on veut là. Il va caler là-bas. On n'a pas envie de venir dans le piège. C'est simple comme bonjour. Hein. Quand on parle, les gens me disent, gars, c'était quelque chose de très compliqué. Qui pouvait te donner du crédit quand tu parlais ça? Avec l'acte que le professeur Kamto a posé, avec les faits qui sont sur le terrain, tout le monde met la main à la tête, tout le monde dit que papa. Je ne veux pas seulement stigmatiser les gens. Si je vous déroule les entreprises qui sont affiliées à la Chambre de commerce, vous allez tomber. J'ai dit, vous allez tomber. Vous allez tomber. Mais je ne peux pas. Parce qu'à la base, c'est les Camerounais. Donc, ils avaient une bonne stratégie. Le tout, c'était de découvrir qu'il y avait à l'intérieur une stratégie. Gars, on a découvert. C'est tout. C'est comme ça qu'on a découvert. Tu merdes. On a cherché à savoir comment ça se passe. On a trouvé. Renseignez-vous. Posez la question. Comment on fait pour devenir membre de la chambre de commerce? Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le dialogue qu'on parle à Yaoundé là, ça va chauffer. Vous allez voir. Conséquence. Alors, on vous crée les petites choses à gauche, les petites choses à droite, les petites choses à gauche pour vous embrigader. On a compris ça. On a compris très vite.
Je vous dis, réveillez-vous. Vous pensez qu'on va ouvrir, qu'on va décider d'ouvrir la compagnie de crédit. Le tout pour nous, c'est ce dialogue. C'est là-bas qu'on va mettre notre paille. On va faire du lobbying. On ne va pas vous dire qui on va voir. Mais on va faire aussi du lobbying. C'est tout. Le tout, on va nous donner notre paille d'agrément. Clair et net, gars. On ne va pas lâcher. Je suis désolé. Hein. Allô? Ouais. J'ai eu peur là parce que ça bug là depuis un certain temps. Dès que tu m'envoies une invitation, tout se coupe. Je me disais. Je me disais que c'est pas possible, ça va encore couper le direct là. Déjà, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à la team. On est un peu plus dopé ce matin-ci. Je crois que ça bug souvent aussi à propos de. Quand j'essaie de faire défiler les textes, c'est-à-dire que si je fais défiler les textes et que je veux avoir les textes, je dirais, il y a un bug là, en tout cas, je ne le connais pas exactement, je n'ai pas encore pu déterminer ça. Mais bon, en espérant qu'il nous fasse des correctifs. Donc, pour l'instant, je suis obligé d'aller regarder le texte éventuellement sur le PC qui va nous servir. De monitoring pour la Web TV. Parce que moi, j'ai déjà commencé à avoir un outil de monitoring qui sera soit le PC, soit la tablette. Et ça permet de faire des tests pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais je trouve que la tablette est un peu lente. Ça risque d'être le laptop. Bon, c'est... Ça. Donc, en réalité... La Web TV aura, elle sera faite d'un serveur, d'une machine puissante et puis d'une machine de monitoring qui va permettre, un peu comme quand je travaille ici, de voir ce qui se passe. Dont la machine qui opère et la machine qui contrôle l'opération. Comme ça, on voit ce qui se passe en pratique. Et c'est comme ça que ça sera configuré du point de vue du monitoring. C'est-à-dire une machine qui travaille et l'autre machine qui est en surveillance et qui se connecte comme un client, comme n'importe quel client. On pourrait aussi avoir une surveillance par smartphone, mais ça, on verra après en fonction de ce qu'on pourra faire. Ceci étant, on revient sur le discours du chef d'État qui était prenant. Je vais d'abord dire bonjour à tout le monde, mais j'essaie d'abord d'avoir le direct sur le moniteur. Comme ça, je peux voir les textes, ceux qui écrivent. Parce que là, j'ai pas de texte. Et là, ça me gêne un peu parce que je ne vois pas ce qu'on écrit. Bon, je vais chercher le message qu'on m'a envoyé. Donc, ce qui est très intéressant là, c'est que ce qui est très intéressant là, je vais passer par le Messenger. En réalité, ces applications fonctionnent de façon très très différente selon qu'on est sur smartphone, PC. Bien sûr. Voilà. Leurs fonctionnements sont différents. Et en plus de ça, ces applications ont ceci de spécifique, c'est qu'il y a l'application Facebook toute seule et l'application de Facebook dont on a accès via un navigateur. Ouais. Selon qu'on va sur Facebook via Edge ou Mozilla ou Chrome, le comportement est différent. Ouais. Voilà. Donc, il faut pouvoir étudier ça parce qu'en réalité, très souvent, les gens ne savent pas et les gens qui se connectent, nous, on ne sait pas quel est leur mode de connexion, comment ils connectent. En général, c'est comme ça qu'on fait un projet informatique. On essaie de demander quels sont les utilisateurs, comment ils se comportent. Parce que, voilà. Et comme ça, on peut comprendre les problèmes, on peut aussi conseiller. Quand quelqu'un a des problèmes de connexion, on peut savoir pourquoi, on peut diagnostiquer ces problèmes de connexion. Donc, voilà.
Je suis allé voir. Je crois que je vais avoir le monitoring maintenant. Je crois que je vais l'avoir sur l'autre machine. De, c'est un peu lent. Il est en train de mouliner. Très bien. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la famille, parce que j'ai vu pratiquement tout le monde connecté là. Et je suis content qu'on se soit retrouvé sur ce direct-là. Bon. Je l'ai déjà le monitoring. Je lui coupe le son pour éviter le retour son. Voilà. Comme ça, je n'ai que l'image sur le monitoring et le son. Très bien. Donc, tu as d'abord parlé du dialogue national. C'est très, très bien, ce dialogue no national dont on avait parlé ici. Ce dialogue no national dont on avait parlé ici sur la forme et sur le fond. Sur la forme, j'ai entendu Elimbi Love dire aujourd'hui avec qui? Je crois qu'à l'époque, je disais déjà avec qui? Le dialogue national, oui, mais avec qui? Et c'était la même chose pour la crise anglophone. Avec quelle légitimité? Avec qui? On se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Le dialogue national, avec qui? Ah, le dialogue national avec qui? Et pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment préparés Le et qui ne président savent pas encore. a été clair. Voilà. Voilà. Donc, il y a un dialogue national qui sera fait avec des personnes, bien entendu, qui seront choisies et qui vont. Et c'est logique un peu parce que c'est le RDPC qui a la majorité actuellement, 74%. Donc, il est normal que ce dialogue national soit piloté par le Premier ministre qui a la main. Le but de ce dialogue, c'est essayer d'écouter tout le monde, essayer de voir les aspirations de tout le monde, essayer de participer intellectuellement à une orientation de notre pays. Parce que nous avons un pays assez spécifique, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué au début, il était né d'un assemblage de tribus dont il n'y avait pas encore l'État-nation tel que nous, on le pense, tel que on le calque quand on regarde la France, par exemple, tel qu'on le calque quand on voit les États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, même quand ils sont dans des États différents, quand ils parlent avec des accents différents, ils se sentent d'abord américains. Le problème du Camerounais, quand le chef d'État parlait de nos pays neufs, c'est que nous nous sentons pas forcément Camerounais. Nous nous sentons déjà appartenir à une tribu. Ça, c'est un défaut, parce que nous avons déjà une scission tribale au sein de l'État. Donc, par définition, nous ne sommes pas prêts à faire un État-nation, parce que nous réfléchissons de façon tribale. Et c'est précisément parce que nous réfléchissons de façon tribale que nous avons tendance à nous accommoder des choses comme répartition tribale, répartition régionale, à des choses comme ça. Parce que notre attachement à notre tribu est encore beaucoup plus fort que notre attachement à la nation qui est en réalité pour nous une réalité intellectuelle et pas une réalité que nous sentons dans nos tripes. Et il faudrait apprendre, d'ailleurs le chef de l'État l'a dit, il faut apprendre petit à petit à y aller parce qu'on n'a pas le choix dans le monde moderne, dans le monde vers lequel nous allons. Dans ce monde-là, c'est on ne survit qu'à l'État-nation. Imaginez seulement qu'un petit État du Sud se forme, un petit État de l'Est, un petit État de l'Ouest, un petit État du Nord, ça devient des États très, très fragiles. Ces États seront très fragiles et ces États ne pourront pas faire le poids. Il est donc clair qu'il faut plutôt penser à faire des États qui sont des États-nations. Et au départ de ces États-nations, on peut négocier avec nos voisins dans le cadre même d'une puissance africaine et aller beaucoup plus loin dans le panafricanisme. Parce que le panafricanisme est notre condition d'existence dans le monde à venir. On n'a pas le choix. Si on ne passe pas par les États-nations qui vont être beaucoup. Regardez ce qui se passe en Europe. L'Union européenne s'est unie pour deux choses. Souvenez-vous, Mitterrand et Kohl. Le but était qu'il n'y ait plus de guerre
pour que la Deuxième Guerre mondiale soit la dernière. Il ne faut jamais l'oublier que les deux dernières guerres nous ont été léguées par le conflit franco-allemand. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale sont nées du conflit franco-allemand. Les gens ont tendance à oublier ça. Et ce conflit franco-allemand a entraîné tout le monde dans la guerre avec les colonies. C'est ça la guerre, ça n'a pas de raison. Parce que les gens ne savent pas aujourd'hui qu'il y a eu des milliers de morts parce que Français et Allemands s'opposaient. Donc, Mitterrand disait plus jamais ça. Donc, ils ont créé l'amitié franco-allemande qu'ils ont voulu matérialiser en créant l'Europe. Et en créant l'Europe, ils ont voulu créer une armée. Ils ont voulu créer une monnaie pour qu'il y ait vraiment une Europe, même si ça patine plus ou moins. Donc très bien, nous devons donc partir de ce côté-là. On ne peut pas faire autrement, même si aujourd'hui, en même temps, on est obligé de digérer les tribus. C'est-à-dire qu'il nous faut un certain temps pour qu'on en arrive à dépasser les tribus. Ça, il faut ce temps-là. On ne peut pas faire autrement, parce qu'aujourd'hui, les gens sont encore là. Et le mec qui est nordiste se pense nordiste. Et heureusement, la jeune génération commence à penser un peu plus et commence à penser un peu plus État-nation. Ça se voit même dans notre forum ici, où la variété des tribus qui viennent ici avec nous est impressionnante. On est dans ce forum-ci, on est de toutes les tribus. Et c'est du fait qu'on est de toutes les tribus qu'on arrive à gérer pas mal de choses. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose dont tu parlais, c'était le deuxième sujet, c'était quoi encore? C'était pas le. C'était après la tripartite et les négociations, et après, il fallait passer à la décentralisation. Donc, les négociations là qu'on a actuellement seront des négociations qui vont faire partie. La décentralisation va faire partie des négociations. Et le chef d'État inclut la diaspora. Le chef d'État inclut toutes les autres communautés, toutes les autres parties. Merci, Jenkop. Donc, ça, c'était le deuxième truc. Tout le monde devra pouvoir dire à peu près ce qu'il attend d'une décentralisation. Parce qu'il faut même déjà concevoir, je crois qu'on a eu un débat ici où on a essayé de concevoir ça, ce qui n'est pas chose évidente. La deuxième chose, c'est que tu as parlé à propos de télécommunications. Nous avons un projet de monnaie de transaction électronique qu'on va implémenter. D'ailleurs, un projet analogue a été implémenté, je pense, au Sénégal. J'en ai discuté avec quelqu'un, il ne m'a pas dit de donner son nom, mais c'est quelqu'un qui est très actif ici dans notre famille. C'est-à-dire que la possibilité d'amplifier la transaction électronique, c'est-à-dire les achats électroniques, mais par une société camerounaise, au lieu de faire comme on l'a fait avec Orange, avec MTN, ou avec Nextel. Ça va nous permettre aussi de convertir la masse monétaire que la diaspora envoie qu'elle reste en devises qui appartiennent au Cameroun. Voilà, au lieu de prendre cet argent et déposer la moitié au Trésor français, nous, on pourra plutôt faciliter la transaction électronique et à ce moment passer dans les biens. Profiter des devises Bafia City, si c'est ma ville. Bien profiter des devises qui nous permettent d'avoir de l'argent et faire des investissements. Ces sujets-là, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Ceci étant, il est temps qu'on discute des grands sujets. Il est temps, comme tu as dit, notre Web TV est le premier sujet, le premier truc sur lequel on va aller. Et après, on va passer aux autres projets qu'on va essayer de mettre en œuvre et d'implémenter. Et je crois qu'il est temps aussi qu'on commence à discuter de plus en plus sur ce que sera les propositions.
qu'on va devoir mettre sur la table pendant ces négociations, ces consultations. Je crois qu'il est maintenant temps qu'on se mette de temps en temps, qu'on fasse des propositions. Et au départ de ces propositions, on saura déjà ce dont on va discuter pendant cette grande conférence. Enfin, ce n'est même pas une conférence nationale, c'est une consultation. Et le chef d'État a insisté sur la diaspora dans cette consultation. Donc, il est temps maintenant qu'on commence à discuter de ça. Et d'ailleurs, beaucoup de ces sujets ont déjà été abordés sur cette plateforme. On a d'ailleurs vu le chef d'État qui a repris beaucoup de sujets qu'on avait abordés ici. Il est donc à peu près le moment qu'on continue à aller un peu plus loin dans ces débats-là et préparer, nous préparer. Nous, on prépare un cahier de charges qu'on va présenter en tant que cahier de charges de la diaspora ou toute une partie de la diaspora parce que il y aura. Oui, en effet, les hostilités, bonjour Gisèle, les hostilités vont s'arrêter grâce au développement économique et harmonieux du pays. C'est vrai. C'est vrai que le développement économique va permettre de diminuer les hostilités tribales parce qu'il y a encore une lutte pour la, c'est-à-dire que les luttes sont en réalité les luttes pour la place à la mangeoire. Et c'est ces luttes-là, on se revendique d'une tribu pour avoir sa place. Oui, pour les propositions, oui, c'est pour les propositions. Moi, je pense que ce que vous devez faire, c'est tout le monde qui est là avec nous, qu'il envoie des propositions, qu'il envoie des propositions de débat sur mon email. On va les relever et puis on va pouvoir en débattre. On va pouvoir mettre ça en débattre pour à peu près avoir une idée de ce qu'on attend de ce dialogue. Voilà. Parce que ce dialogue national, il faudrait bien qu'on dise ce qu'on en attend. Faut pas juste qu'on dire du point de vue économique, dire du point de vue politique, dire il faudrait qu'on puisse dire ce qu'on attend du dialogue, ce grand dialogue qui se prépare. Et je pense d'ailleurs il y a de fortes chances qu'on soit consulté. En tout cas, les membres de notre famille ont quand même fortement influencé le débat politique actuel, c'est-à-dire la famille ici. Donc, il faut absolument qu'on puisse mettre toutes ces choses sur la table. Ouvrir le groupe de cette famille précisément. Oui, le groupe est ouvert, hein, Félicité. Bonsoir, Félicité. Le groupe est ouvert. Ne vous en faites pas, tout le monde peut y adhérer, tout le monde peut apporter des idées. Il n'y a pas de problème spécifique. Ceci étant, ça doit se faire avec le respect des uns et des autres. Voilà, si quelqu'un vient avec des idées du genre hold-up électoral ou ça, moi, je n'appelle pas ça des idées. J'appelle ça des agressions pures et simples. Voilà. Attention aux émissaires du chef d'État parce qu'ils peuvent être. Oui, c'est ça, c'est clair qu'il faut. Je ne vois pas tout ton message, Miguel Kanja. Je ne le vois pas entièrement. Je vois juste qu'il faut faire attention aux émissaires que le chef de l'État. Oui. Il faut faire attention aux émissaires parce que les gens peuvent détourner l'émission. Mon frère Henri, nous allons viser le débat économique. Oui, bonsoir Denis. Le débat économique est un débat qu'on doit mettre sur la table. On n'a pas le choix. On vous doit le mettre sur la table. Le débat est d'abord économique. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir pendant, si vous voulez, moi j'ai deux, trois idées, on doit pouvoir pendant ce dialogue réorienter l'économie, dire ce que nous on attend du Cameroun, mais en termes économiques. Par exemple, avoir une société de télécom camerounaise. Avoir une possibilité. On va faire des propositions économiques, on va faire des propositions matérielles économiques, ce qu'on attend du Cameroun. Là où on attend, comme Abdel l'a dit, si on se contente d'aller chercher les postes pour chacun, ça n'ira pas. On va tourner en rond. Il faut absolument qu'on se dise, nous, on a envie en tant que membre de la diaspora, on a des expertises techniques, voilà ces expertises techniques. Nous voulons nous lancer dans la création d'une société qui fait ça. Nous voulons nous lancer dans la création d'une société qui fait ça. Et on attend que l'État nous accompagne. Dans notre dialogue, nous, quand on ira, en tout cas les membres de cette famille, ce ne sera pas de chercher le poste de ministre. Non, mais c'est de donner une impulsion économique au Cameroun.
C'est-à-dire, on attend qu'il y ait des choses qui sont réalisées. Et nous, on a beaucoup d'idées en la matière. On idée, justement, les idées qu'on peut proposer, qui sont des idées économiques. On en a déjà développé quelques-unes ici. Je commence à avoir peur de développer des idées parce que vous vous souvenez tous, les idées qu'on a développées ici ont été reprises partout au compte des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'élégance de dire qu'ils ont entendu ça chez nous. Ils arrivent, ils prennent et ils ne disent même pas merci. Moi, je veux bien les développer, les idées sont faites pour être développées, pour être reprises par les autres, mais de grâce, dites merci. Donc, on va commencer à mettre en réalité notre plan économique, c'est le plan que nous avons déjà constitué dans ce forum-ci. Et ce plan-là, c'est un plan avec le développement économique du Cameroun. Voilà ce que nous, on va aller attendre de ce dialogue, le développement économique du Cameroun, sur les projets que nous avons déjà ici. Voilà. Je n'ai pas de réponse, mais voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, justement. Nous, le dialogue, ça sera ça. Ça ne sera pas pour aller négocier des places. Ça ne sera pas pour aller être ministre. Ça ne sera pas pour aller être directeur général. En tout cas, une grosse partie du dialogue que notre famille, la famille ici, va porter sera du point de vue économique dans la création des entreprises, selon d'ailleurs le programme que nous, on a déjà prévu. Vous savez tous que nous avons un programme de taux-financement, de levée de fonds pour pouvoir réaliser les entreprises. Nous, on ira là-bas pour dire comment le Cameroun nous accompagne dans ça. Le dialogue chez nous, en tout cas, ne sera pas axé essentiel. Même s'il faut une répartition, je suis sûr qu'il faut une répartition régionale. C'est normal, le chef d'État l'a dit. Mais il faut maintenant que sur le dialogue, on n'aille plus faire de la politique politicienne. Nous, on va être porteurs d'un dialogue et des idées de reconstruction économique. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de faire dans ce dialogue national. Donc, en tout cas, nous sommes là. Les idées, vous devez les donner. Nous allons mettre ces idées en place. Je pourrais vraisemblablement être un peu pas disponible pendant ce week-end, mais dès que je pourrai, quel que soit l'endroit où je serai, je serai en direct avec vous. Si je peux, je serai en direct avec vous. Mais si vous ne me voyez pas, c'est que je n'ai pas pu. Et il est possible que ce week-end, il y ait un petit empêchement, surtout samedi et dimanche. Voilà. Donc, c'est globalement ça. Je suis vraiment content de voir on s'est ressaisi. Mais on a beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. Et je suis content de support que vous nous apportez, parce que beaucoup d'entre vous êtes vraiment très, très actifs et nous envoient un support inimaginable. Voilà. Donc, c'est ça, globalement, ça, ce qu'on va faire. Donc, j'ai résumé un peu. Bon. On a parlé de ce qu'on attend du dialogue. On a recommencé, on va mettre sur, en tout cas, on va mettre sur papier notre projet de société qu'on a déjà élaboré ici. Et c'est notre projet de société élaboré ici qui sera le support de nos revendications. C'est-à-dire que nous avions un projet sur 5 ans de développer de grandes sociétés. Quand on va là, c'est pour dire au chef de l'État, ben oui, nous, on veut une société de télécom. Nous, on veut une société de construction. Enfin, nous, c'est-à-dire comment on peut faire pour mettre en place une société de construction qui, telle que quand vous êtes à la diaspora, que vous avez envie de construire une maison, que vous ne serez pas obligé de passer par un cousin qui va détourner la moitié de votre argent. Nous, on va demander des choses pratiques. Vous savez, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'il y ait une police des réseaux sociaux au Cameroun. On ne peut plus laisser qu'impunément traîne dans les réseaux sociaux camerounais cette racaille. Il y a eu la même en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y en a un peu moins. Mais les réseaux sociaux camerounais actuellement, c'est ahurissant comme voilà. Donc il faudra une police spécifique des réseaux sociaux au Cameroun, des choses comme ça, des idées comme ça, qui vont contrôler ce que les gens y font et ce que les gens y disent. Ce n'est pas de la Gestapo. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous envoyez une plainte, que cette plainte soit prise en considération. Voilà. Il y a des choses comme ça. Il y a plein d'idées pour qu'on remette les gens
à des comportements un peu plus normaux. C'est quand même ahurissant, les réseaux sociaux camerounais, où on voit tout et n'importe quoi. Tout et n'importe qui vient dire ce qu'il a envie de dire. Oui, en effet, Denis, on va prôner les valeurs des mentalités. C'est pour ça que je parle de police des réseaux sociaux. Vous avez bonjour Salomé Mousseline. C'est pour ça que je parle de police des réseaux sociaux. On ne peut pas accepter qu'on a les réseaux sociaux camerounais sont un espace de non-droit total où tout le monde y vient et y fait n'importe quoi alors que ces personnes sont correctement identifiables. En effet, Joseph Ndongo, le dialogue a déjà démarré chez nous. Ça fait longtemps d'ailleurs, vous vous souvenez, il y a très très longtemps, Abdel disait déjà que dans le cadre de ce dialogue, ceux qui avaient vu ce direct, que je serais la personne la mieux conseillée pour représenter ou une partie de la diaspora. Si vous vous souvenez de ça, c'est il y a très très longtemps. Donc, on avait déjà commencé ce dialogue. Merci beaucoup, Salomé. Oui, Facebook est interdit en Chine. On ne va pas interdire Facebook au Cameroun, mais on peut mettre en place des outils tels que quand quelqu'un arrive et qu'il pose des actes, qu'il fait des délits, qu'il commet des délits, qu'il soit sévèrement sanctionné, que ce soit des injures et tout ça. On ne peut pas continuer à laisser cet espace de non-droit là où quelqu'un peut arriver, il s'y met, il insulte qui il veut. On a vu la dérive là après les élections présidentielles. Le chef d'État l'a d'ailleurs rappelé. Quelqu'un s'autoproclame leader et il est leader en insultes. On avait d'ailleurs l'impression qu'on était beaucoup plus suivi, que les insultes coulaient. C'est ceux qui insultaient le plus qui étaient suivis. Voilà, donc globalement, c'est ça qu'on va faire. On va essayer de préparer un programme qui va nous permettre d'être là, d'être à la hauteur et de mettre des propositions concrètes. Les propositions concrètes doivent aussi être des propositions souveraines. Les propositions concrètes doivent être des propositions par rapport auxquelles on essaye de sortir nos États, nos jeunes États du néocolonialisme qui nous empêche de nous développer. Ce sont des propositions concrètes. Les propositions concrètes sont les sociétés qu'on veut mettre en œuvre ici, que j'ai déjà expliquées, des sociétés financières, des sociétés qui permettent d'utiliser. Au Sénégal, je crois qu'il y a quelqu'un qui a implémenté une monnaie, je crois qu'on appelle ça un bitcoin. Bon, on en reparlera, on va faire un débat entier dessus. J'en ai discuté avec quelques personnes. Ils n'aiment pas que je prononce son nom. Il est très actif ici. J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, mais il ne veut pas que je prononce son nom, il est assez discret, parce qu'il est il est partie prenante dans les projets qu'on est en train de faire. Donc, on va mettre sur le pied, sur pied, cette monnaie, cette transaction électronique. Le fait que les Camerounais apprennent à acheter, non plus avec de l'argent, mais avec un transfert. C'est important. Les Camerounais doivent avoir. Oui, c'est le Bitcoin. Les Camerounais doivent apprendre à acheter avec un transfert, non avec de l'argent. L'achat est le même. L'opération est sécurisée et en plus, l'opération ne nécessite pas qu'on trimballe des billets. Oui, l'Africain existe déjà aussi. C'est de lui que je voulais parler exactement. En fait, quand j'avais implémenté cette idée, quand j'avais émis cette idée de la monnaie électronique, ici, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà implémenté l'Africoin. Et alors, hier, il y a un de nous, de notre famille, un des nôtres qui m'a envoyé les documents sur cet Africoin. Et nous aussi, on va l'implémenter au départ de notre famille ici. Normalement, on a prévu, on est dans notre premier projet, hein, qui est le projet de lancement, la Web TV. Après ce projet de lancement de Web TV, on va passer à des projets de plus grande ampleur. Et nous avons l'occasion là, nous avons l'occasion, salut Lionel Banda, nous avons l'occasion là qu'on est appelé à un dialogue. Et pendant ce dialogue, nous allons dérouler
tout ce que nous voulons faire, toutes les sociétés, toutes les possibilités d'investissement qu'on a eues ici. Et ce qu'on va attendre du dialogue, c'est comment l'État peut accompagner ces idées. C'est ça que nous, on attend du dialogue. On n'attend pas les postes ministériels, il y aura toujours la répartition des postes, il n'y a pas de souci. Mais on va défendre, moi je vais défendre ceux qui veulent être ministres en fonction de la répartition régionale dans notre forum, mais moi je n'ai pas, je préfère me consacrer aux investissements qu'on va lancer et les piloter de façon à ce qu'ils se passent correctement. Donc il y aura dialogue, il y aura bel et bien dialogue. Et nous, dans notre famille, on a déjà commencé à préparer les termes de ce dialogue-là. Et on va faire les propositions au chef de l'État pendant ce dialogue. Et les propositions spécifiques aux besoins que nous avons en tant que Camerounais expatriés. On va aussi parler, je crois qu'il faudra aussi qu'on analyse les problèmes de double nationalité, voir si ça vaut la peine, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ça. Je crois que ça va être fait dans d'autres directs. Voilà. J'essaie de vous lire pour répondre à vos questions en même temps, ce n'est pas facile. L'une des raisons pour laquelle on veut faire cette Web TV est aussi l'interactivité. Nous voulons augmenter l'interactivité. Nous voulons pouvoir prendre quatre personnes en ligne directement. Et comme ça, on peut discuter pour qu'on ait des personnes qui discutent aussi avec nous. Parce que pour l'instant, on a deux personnes en ligne, c'est le maximum. On a des personnes qu'on peut prendre au téléphone et on a vos écrits. Merci Miguel Kanja. Et alors, pour augmenter l'interactivité, bon, salut Thérèse, pour augmenter l'interactivité, la Web TV nous servira beaucoup aussi. Parce qu'en tout cas, elle est pensée maintenant pour qu'on puisse prendre quatre personnes à l'écran. C'est comme ça que je l'ai pensé technologiquement. Et je vais essayer, dès qu'on achète le matériel, je vais commencer à implémenter ça pour voir les possibilités de prendre les gens. Je pense que théoriquement, c'est faisable. Il faudrait que je mette ça en pratique. Donc, on va le faire dès qu'on aura clôturé la levée de fonds. On va compléter le matériel sur lequel on va travailler. Et puis après, on va lancer. Oui, on va voir. En effet, Monsieur Djenjok, c'est-à-dire qu'il faut d'ailleurs redéfinir la notion des binationaux. C'est quoi un binational? Ces notions ne sont pas si claires dans les têtes des gens. Il faut qu'on en parle. Oui, félicité, on doit avoir un représentant ou plusieurs représentants sur la table du dialogue, c'est clair. Salut Rose, il faut parfois avoir des vœux pieux. C'est ces vœux pieux qui construisent parfois le monde. Rien qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire ce soir. Je lis vos questions et vos remarques. J'essaie de voir si vous en avez pour que je puisse répondre. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de questions là apparemment. Donc voilà. Donc je vais conclure. Je vais conclure. On va conclure un peu plus tôt aujourd'hui parce que on est quand même, on a eu 3 jours de direct intense où on finissait à 4 heures du matin. Là, on va finir à 2 h 51 minutes et on va clôturer ça. À partir de la semaine prochaine, on va lancer les directs débats. Enfin, surtout après la Web TV. Pour l'instant, c'est très, très difficile de lancer des web débats parce que vous n'êtes pas assez interactif. Mais après, dès que la Web TV est là, on va lancer les débats. Bonsoir Alain. Alain, ben, dès que la Web TV est là, on va lancer les débats beaucoup plus interactifs. Oui, les Occidentaux ont exactement 90% de notre économie. Et ça pose problème. Oui, le député de la diaspora, Miguel Kenza, je ne vois pas trop l'intérêt de ça. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée, un député de la diaspora.
Le seul problème qui m'ennuie avec les députés de la diaspora, c'est que les députés, déjà au Cameroun, on ne voit pas trop bien quel est leur intérêt. Ils finissent par former une chambre parlementaire qui ne propose pas beaucoup. Oui, il faut bien revoir ce truc-là de l'ENAM. Moi, je pense que les propositions de. Moi, j'ai toujours été contre pour le fait que l'ENAM ne soit plus une école qui ouvre l'accès directement à la fonction publique. Il faut enlever ça, le fait que certaines écoles ouvrent l'accès direct à la fonction publique. Ça, il faut enlever ça. Parce que c'est parce que l'ENAM ouvre l'accès direct à la fonction publique que justement les gens achètent le concours en se disant que c'est fait, ma vie est faite. Si l'ENAM doit continuer à exister, ça ne peut plus être l'école qui ouvre l'accès à la fonction publique, d'une part. Et d'autre part, les écoles du Cameroun doivent fonctionner au mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoles doivent être uniformément réparties sur l'ensemble du territoire pour donner l'accès à l'école à tout le monde. Et ensuite, les écoles du Cameroun doivent prendre par rapport au mérite. Les concours d'entrée dans les grandes écoles au Cameroun doivent purement être supprimés pour qu'on ne regarde que la note au bac. C'est tout. Vous ne pouvez pas m'expliquer que vous avez été premier au bac et vous allez rater le concours. Ça n'a pas de sens. Si vous avez été premier au bac, vous ne pouvez pas rater le concours. Vous ne pouvez pas rater le concours. Le bac sera un examen renforcé dans son contrôle. Et quand quelqu'un. Le principe sera simple. La proposition que moi je fais, qu'on a déjà faite ici plusieurs fois, c'est que quand quelqu'un demande son inscription dans une grande école, on le prend prioritairement par rapport aux notes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes 10 à avoir envoyé votre demande dans une école, on classe par ordre de notes au bac. On prend les 10 premiers. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si dans une école reçoit 10 personnes, elle prend les 10 personnes, elle classe par ordre de note au bac. On prend les premiers. C'est clair, en même temps que si quelqu'un est déjà là à l'ENAM, il ne va pas aussi aller à l'école normale supérieure, il ne va pas aussi aller à l'école, à l'ESSEC, il va pas aussi, c'est clair. Mais quelqu'un, on doit rentrer. C'est anormal que les Camerounais font des efforts pour avoir un diplôme qu'on appelle le bac et qui ne sert plus à rien. Pourquoi voulez-vous qu'un enfant aille se mettre à bosser pour réussir le bac si ça ne sert à rien? La seule façon de donner du sens au bac est que on puisse permettre, c'est la note du bac qui est le seul critère de rentrer dans une école. Ça veut dire quoi? S'il y a une seule place, toi et moi, on la demande, on regarde celui qui a eu la meilleure note au bac, c'est tout. C'est tout. Et les rebelles de notes sont au ministère de l'enseignement supérieur. C'est tout. C'est pas normal. On peut pas être un pays où on demande aux gars, les gars bossent pour avoir le bac et le bac, il sert plus à rien. Le bac doit être la porte d'entrée. Évidemment, l'université va continuer à être l'université, ça prend tous les bacheliers. Mais les grandes écoles, dont on fait les soi-disant concours, dont on sait qu'à la fin on achète l'entrée, ces grandes écoles doivent prendre par ordre de mérite au bac, c'est tout. Il n'y a plus de concours. Enlevez les concours des grandes écoles, parce que c'est un lieu par excellence de corruption et de médiocrité. Parce que si moi j'ai donné l'argent pour entrer dans une grande école, pourquoi vous me demandez d'étudier? J'ai payé. Alors, évidemment, vous n'avez pas demandé aux autres personnes de venir et de payer et d'étudier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le Njangi, ils vont payer. Voilà. Donc, c'est globalement ça. Oui, ça arrive de s'endormir parce qu'on est fatigué. Nous sommes tous fatigués d'ailleurs parce que ce n'est pas facile. Oui, en effet, Thérèse, les concours, c'est le grand business. Donc, on va essayer d'abréger. Salut Abdel, je vois que la fatigue est en train de te menacer royalement. Moi, j'ai encore un sujet que je dois parler. J'ai encore un sujet. J'ai encore un sujet, le coup d'état scientifique. Je n'ai pas encore fini. Donc, tu as la force, là, quand moi je te vois déjà fatigué, là, je voulais abréger. Donc, tu me dis que tu vas encore prendre un sujet, là. Tu as l'énergie, là, de faire un sujet. Là, tu vas voir. Ok, d'accord. Moi, Bon, il fallait me dire. Il fallait me dire. je te souhaite parler. J'attends maintenant que tu finis. Mais non, mais moi, comme j'allais du principe qu'on conclut, j'ai essayé de tirer. Maintenant,
Si je savais que tu avais encore un sujet, j'allais être beaucoup plus bref. Bref, dès que la Web TV est là, dès que la Web TV est là, on va commencer à discuter de ces sujets. D'ailleurs, je crois qu'on doit commencer avant la Web TV parce que je pense que les consultations pour le dialogue vont peut-être commencer dans un mois. Ouais. Ouais, donc nous, on doit déjà être prêts. Donc, on va d'abord mettre ce problème des grandes écoles, comme je l'expliquais. On pense que c'est le bac qui doit être renforcé. Les concours pour les grandes écoles au Cameroun, ça doit être fini. J'explique pourquoi. La France avait mis les concours pour les grandes écoles parce que la France voulait avoir les enfants de la bourgeoisie qui ont de l'argent dans les grandes écoles. D'ailleurs, quand vous allez dans les grandes écoles françaises, vous ne trouvez que des gens riches, les fils d'industriels, les fils de professeurs d'université, les fils de ça. C'est pour ça, que ça sert les concours pour les grandes écoles en France. Et vous allez me dire comment ça se fait? Ben, ça se fait que bon, quand vous naissez dans une maison où il y a une bibliothèque, ben, vous avez beaucoup plus de chances que quelqu'un qui est né dans une maison où il n'y a pas de bibliothèque. Alors quand vous arrivez, votre dissertation sera mieux. Vous savez, voilà. Et voilà. Donc en fait, les grandes écoles en France avaient pour but de garder une élite au pouvoir. Et c'est pour ça que la France avait créé l'ENA. Et quand vous allez à l'ENA à Paris, vous ne trouvez que des fils de la bourgeoisie française ou de la haute classe française. Parce que c'est les études qui coûtent cher, parce que c'est les études qui sont faites pour le mec qui a eu des répétiteurs, qui a lu, voilà. Si vous ne faites pas partie de cette classe, vous ne pouvez pas. On doit donc ramener, nous, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais accepte qu'on fasse des concours pour rentrer dans les grandes écoles. Nous n'avions pas une classe bourgeoise à créer. Malheureusement, c'est ça qui se passe au Cameroun. Nous avons apporté les grandes écoles comme en France, l'ENAM, la faculté polytechnique, l'école normale, SUP. Nous avons dit aussi qu'on va faire des concours sans savoir pourquoi les Français eux-mêmes faisaient des concours. Et on se retrouve avec ça aujourd'hui où une sorte, un petit élitisme s'est créé. Et ce petit élitisme-là qui vient de ces trucs-là, et là, il faut enlever ça. Il faut purement et simplement l'ENAM. Doit être des écoles qui n'ouvrent pas l'accès à la fonction publique. Tu vas dans l'école où tu veux. Dès que tu finis, tu sors de cette école. Si tu veux aller dans la fonction publique, eh bien, tiens, on fait un concours. C'est le seul endroit où on va faire le concours, la fonction publique. Et encore. Ou même la fonction publique, on ne doit pas pouvoir faire des concours. On doit prendre des gens au mérite. Si vous êtes sorti de l'ENA et que vous êtes deux douaniers, quand vous voulez une pause de douanier, on prend les meilleures notes à la sortie de l'école, c'est tout. Comme ça, on va revenir à la notion de mérite. Bref, je vais te laisser continuer. Moi, j'ai du mal à penser que tu as l'ENA. Je crois que tu dois fonctionner à l'adrénaline. C'est-à-dire que dès que tu es déjà dans le combat, l'adrénaline monte et tu as la force. T'as compris? Et puis, dès que le combat s'arrête, pouf, ça chute. Je dors. Ok, tu dors. Ok. Bon, ben, je vais continuer à te suivre alors. Coup d'État scientifique. Je dis bien. Nous avons un cas là devant nous, l'ENAM. Je vous explique. Je vous ai déjà parlé ici des mandarins. J'ai parlé ici du mandarinat. Je parle de là pour vous expliquer le coup d'État scientifique que les gens ont voulu faire au président Paul Biya. Le DG de l'ENAM, le ministre de la fonction publique, Monsieur Lé, il vient d'arriver. Le jeune DG, il vient d'arriver. On pose les faits sur la table. L'ancien DG et l'ancien ministre. Oh, il y a les morts qui ont passé le concours. Pourquoi les morts ont passé le concours? Pourquoi? On a enlevé le DG. On a enlevé le ministre. Le nouveau ministre est là.
Le nouveau DG est là. Pourquoi avons-nous toujours les mêmes problèmes à l'ENAM? Vous pouvez déjà tirer la conclusion que si nous avons les mêmes problèmes à l'ENAM, ce n'est pas le problème du ministre, ce n'est pas le problème du DG. La question que vous allez vous poser, le problème se situe alors où? Et c'est là où je vais vous démontrer comment il fonctionne. Vous savez, je vous ai dit tantôt ici, quand moi j'étais chez Bolloré, quand une machine entre dans les ateliers, si c'est 45 tonnes, on va me demander ça à quoi? Si c'est 12 tonnes, on va me demander la machine là à quoi? Si c'est 24 tonnes, on va me demander la machine là à quoi? Si c'est la grue, on va me demander la grue là à quoi? On appelle ça en français procédure. Quand le boss veut une information, il suit une procédure. Il sait que là-bas, dans telle section, c'est tel qui est là-bas chef. Maintenant, comment se passe la procédure à l'ENAM? On fait le concours, on dresse la liste des admis, ça va à la fonction publique, ça quitte de la fonction publique, premier ministère, ça quitte premier ministère, secrétaire général à la présidence. Ça refait le chemin inverse qu'on affiche à l'école. Écoutez le parcours. École, fonction publique, premier ministère, secrétaire général à la présidence. Maintenant, quand ça quitte l'école, ça quitte dans le bureau du DG. Quand ça arrive à la fonction publique, ça entre au bureau de qui? Ne vais pas donner son nom. Parce que si je donne son nom ici, on va dire que je ne respecte pas les grands frères. Quand ça quitte de l'ENAM, ça n'en pas chez le ministre. Parce que les gens ne comprennent pas l'administration. Pour faire disparaître ces choses-là, je vais vous donner la solution à la fin. On a appliqué ça en Chine. Ça marche. Vous appliquez ça au Cameroun. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand ça quitte du DG, ça vient au ministère de la fonction publique, ça entre dans un service. Et dans ce service, il y a un directeur. C'est un service avec un directeur, avec les collaborateurs qui vérifient. Le directeur signe, ça monte chez le ministre. Mais quand on vous dit ça quitte de l'ENAM, ça va à la fonction publique, vous voyez que ça va chez le ministre. C'est ce que vous voyez. Ça part chez le ministre. Non. Quand ça quitte de chez le ministre, ça part au premier ministre. Ça rentre chez qui? Je vous ai pris l'exemple quand j'étais chez Bolloré. Quand une machine entrait, on sait qu'on doit. Si c'est là-bas, il faut demander à Abdel. Ça entre chez qui donc au premier ministère? Vous savez ce qu'on appelle là-bas
les services du secrétaire général du premier ministère. C'est toutes des directions. Direction ceci, direction ceci, coordonnées par un secrétaire général qui a lui à sa tête premier ministre. Ça rentre dans une direction. La direction là, check le travail, achemine sur le secrétaire général. Le secrétaire général vise, ça monte sur le premier ministre. Est-ce que vous voyez tout ce parcours? Tout ce parcours-là qu'on appelle le parcours des mandarins. Tout ce que vous voyez là, ce sont des fonctionnaires. Les mandarins avaient une particularité, c'était, vous savez, le mandarin, c'est la langue parlée en Chine. Alors, lorsqu'on décide de créer l'écriture chinoise, ce sont donc ces élites choisies de créer l'écriture chinoise qu'on avait appelé le mandarinat, voilà. Ce sont donc eux donc qui disaient à l'empereur de Chine, non, ça, on écrit ça comme ça. Et parfois, comme c'était le créateur de l'écriture, il mentait l'empereur. Jusqu'à ils ont fait en sorte que l'empereur chinois a été vaincu. Les mandarins. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Ils sont dans le système. Ils combattent le président en mettant les peaux de banane à gauche et à droite pour que la population soit exacerbée et descende dans la rue. Maintenant, la solution, elle est simple. La solution de ça est simple. Cameroun Tribune, qui sort les mardis et les jeudis, quoi là, quelque chose là. Cameroun Tribune. Chaque ministère, quand Cameroun Tribune prend un ministère, il donne tel ministère à tel nombre de directions. Il donne le nom de chaque directeur. Quand on dit par exemple, direction des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale, tout le monde connaît ce qu'on appelle examen et concours. Tout le monde sait. Quand on dit direction de la planification des concours dans les grandes écoles au ministère de la fonction publique, tout le monde sait ce que ça signifie. Donc, s'il y a un problème dans le concours, c'est ce monsieur-là qui est directeur de cette direction qu'on doit citer au lieu de citer le ministre. Quand on cite le ministre, il n'a rien à y voir. Parce qu'il y a quelqu'un en bas qui traite le dossier et apporte chez le ministre. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, vous voyez le ministre de la Santé, il est partout. Il a oublié même qu'il a un bureau. Il monte, il descend, doit là, il est parti. Le ministre de la Santé, Malachi. Vous savez pourquoi? Il fait ça. À peine arrivé, tout ce que les directeurs l'ont dit, mensonge, 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 depuis qu'il s'est assis, les directeurs ne l'ont que menti, 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 menti. Il a dit, bon, ok, ça va. Lui-même, il est descendu sur le terrain. Il va faire le tour du Cameroun. Il n'a pas le choix. Parce que la bonne information, c'est sur le terrain. Que Tchakoutès a eu la même chose. Un directeur vient avec un dossier, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Et prend le dossier,
Elle veut signer, elle dit que non, je vais signer après. Quand on prend le dossier pour vérifier, on trouve que la route est goudronnée. Bon, on devait venir avec le dossier pour qu'on signe encore. Dès lors, elle part sur le terrain. On appelle ça les mandarins. Ils te détruisent parce que eux, on ne les connaît pas. Ils sont dans le système. C'est madame la ministre qu'on connaît. On connaît Ketia Kouteis. Alors que Ketia Kouteis me valide, c'est sa dernière. Elle, c'est elle qui met seulement la dernière signature. Ce sont ces mandarins qui traitent tous les dossiers et ils apportent ce Ketia Kouteis. C'est comme ça que les mandarins détruisent la République du Cameroun. En Chine, dans la région de... Vous savez avec le nom là, si c'est Guangzhou, si c'est quoi là-haut. Quand tu arrives dans un service, dans l'administration, tu veux par exemple légaliser un document, on te dit ton document, tu déposes ici, ça doit faire là-bas tel nombre de minutes. Minutes. Quand tu veux légaliser un document, tu vas d'abord, là où tu veux légaliser le document, tu prends la liste de tout ce qu'on va te demander. Ça va faire là tel nombre de minutes, tel nombre de minutes, tel nombre de minutes. C'est lui qui met la dernière signature. Donc tu as pour 30 minutes. On ne cite pas le nom du ministre. On ne connaît pas le ministre. Ce sont les directeurs. Tout le monde connaît toutes les... Si c'est pour la question là, il y a combien de directions au ministère de l'administration territoriale? Et qui sont les noms de ces directeurs? Qui connaît un seul directeur du ministère de l'administration territoriale? Un seul nom. Ne le donnez pas. Dites-moi qui connaît un seul nom d'un des directeurs du ministère de l'administration territoriale. N'écris pas non. Dites seulement oui, moi je connais un. Papa, moi qui vous parle là, pour avoir les noms de tous les directeurs de tous les ministères de la République du Cameroun. Et Anti, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Parce que le système, il est fait exprès opaque. Tu ne sais pas là où tu auras la bonne information. Tu ne sais pas. Il est opaque. Je vais trouver la bonne information où? Tu vas trouver la bonne information où? Or, c'est le rôle de Cameroun Tribune. Quand vous comprenez, ces gens refusent de mettre les sites internet pour avoir toute la lisibilité. Ils refusent, c'est pour ça que le système reste opaque. On ne sait pas qui fait quoi. Parce que si je sais que c'est telle personne qui est à la direction des examens et concours, gars, c'est celui que je fais mon direct. C'est celui que je fais mon direct. Je sors ma calasse sur lui. Je laisse le ministre tranquille. Parce que je connais le rôle du ministre. Le rôle du ministre n'est que visé. Tu as raison. Avant qu'on continue. Ah. C'est important, hein. C'est très important. Ce que tu viens de dire là. Aïe, 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 a
Mon frère, la chanson-ci, on a composé ça pour mon direct. On a donné interdiction de ne pas donner le nom de l'artiste. C'est seulement une chanson. Elle dit que écoutez les paroles. C'est ça qui est important. Son nom n'est pas important. Moi-même, j'ai seulement dit chapeau. Si tu me demandes qui s'appelle qui, je connais seulement le prénom. Le nom même d'artiste, je ne connais pas. Mon frère, je suis aussi comme moi, je suis la danse, c'est mal. Merci les gars. Si tu manges avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veux pas les problèmes. Les papiers le guettent. Les anglophones disent, I refuse, the kina deny. Maintenant, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan, y'a ben au amour pour la promesse. Arr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 r
Voilà donc comment les mandarins font. Ils sont dans le système. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui traitent les dossiers. Le ministre signe seulement. Le ministre lui pose la question, c'est bon, excellent, c'est bon. Il signe. Quand ça pète, c'est le ministre qui part en prison. Les mandarins restent là. On attend le dialogue. On attend le dialogue. Le système là, on va les mettre sur les feux de projecteurs, tous ces directeurs. Je vais m'asseoir ici, faire les directs, rien que sur eux. Parce que ce sont ces gars qui pourrissent le pays. Je vous donne l'information. Hein. Ce sont ces gars. Ces mandarins, c'est eux qui pourrissent le pays. Ce sont ces gars. Quand vous vous tirez sur le ministre, ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont fous. Ah, on l'a eu. On l'a eu. Parce qu'on ne les voit jamais. Gars, on n'a pas le choix. Parce que s'il faut sortir le président de ce carcan. Ce sont ces gars. Gars, je vais m'asseoir ici. Quand je dis ministère de... J'aligne les directions comme ça. Direction telle. C'est telle personne. Direction telle. C'est telle personne. Ce sont ces gars qui pourrissent le pays. Mais vous ne connaissez pas ça. Qui va vous dire ça? Vous, le bas peuple, va voir. C'est le ministre. On m'a dit sur le ministre. C'est donc comme ça qu'ils sont en train de chercher la tête de M. Lé, Joseph, et de ministre du DG Angola. C'est mandarin. Ils sont tapis au premier ministère, tapis à la présidente, tapis même dans le ministère de M. Lé. Je dis, hein, ces gars-là, comme ils étaient en back office, cachés derrière les ministres, gars, nous on va les prendre, les mettre devant les ministres. Vous allez voir. Gars, le pays là, ça ne sera plus comme c'était avant. Hein. Nous, on vous annonce ce qui va arriver. Ce sont ces gars qui sabotent le travail du président Biya. Ces mandarins. Ils sont partout, ces gars. Quand on dit informatiser, ils refusent parce que dès qu'on... Prenez un ministère du Cameroun, entrez dans le site, vérifiez, cherchez l'information que vous voyez. Vous prenez l'organigramme, vous allez voir. On maintient le système opaque pour faire la diversion. C'est la vérité. On a compris le secret. Vous ne pouvez pas savoir. Même les routes, c'est toujours eux. Ministère des Travaux. C'est toujours eux. Toujours eux.
n'a pas le choix de les mettre devant les ministres. À force de parler des ministres, ils sont derrière les ministres, alors que c'est eux qui font la job. Le ministre, c'est un poste politique, il signe seulement. Ah, on n'a pas le choix. Tu dis quoi? Tu es victime, hein? Mon frère, ces gars, ils auront chaud avec nous, ces gars. Mon frère, on va prendre les ministres, on va mettre derrière. Ce sont ces gars. C'est sur eux qu'on doit tirer. Quand il y a un concours qui ne marche pas comme le concours de l'ENAM, vous pensez que je dois tirer sur le ministre? Non. Je ne tire pas sur le ministre, je ne tire non plus sur le DG. Parce que je connais le système. Ce sont les mandarins qui sont là-dedans, qui torpillent. Ils veulent saboter le président Biya. Ils veulent ternir son image. On va dire que regardez, le président Biya, il ne travaille pas. Alors que c'est lui qui devait faire le travail. Mais il sabote. Je vous ai dit, moi je vous ai dit à Vétier, ceux qui vont aller dialoguer, parce qu'ils vont aller chercher le poste politique, détrompez-vous. Le poste politique n'a jamais, je dis bien jamais, fait du bien à la masse. Le poste politique, en sens une personne, et le président Biya vous a dit qu'on ne peut pas nommer tout le monde. Ceux qui vont aller au dialogue national avec des visées politiques, gars, nous là, c'est l'économie. On a compris le secret. On a compris le secret. Avant, les gens pensaient que c'est le... Attends, vous avez dit ça ici. Quand on crée les hommes d'affaires au Cameroun, il a vu ça. Après, il dit, ah! Non. Il est allé prendre les gens au nord. Il leur a donné de l'argent. Bonjour, frère. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Si vous blaguez ces mandarins-là, car on va s'occuper d'eux. Les mandarins. Il dit qu'on va s'occuper d'eux. On donne la direction du ministère. Je dis que ça sera ministère par ministère. Ministère par ministère. Parce que je vous dis, laissez les ministres. Les ministres ont seulement la DSIATU. Je vous dis, les gars là, ces directeurs là, c'est eux qui plombent le pays. Dans la charte de l'impérialisme, on les appelle les valets. Mes amis, tout ce que je vous raconte là, depuis qu'il fait les gestes, tout ce que je vous raconte là, c'est les gens qu'on a cassé la tête au Cameroun. Comprendre la mécanique. Tout le monde est habitué. Il prend son dossier, il donne dans un commissariat, il veut légaliser un document. Il va s'asseoir dehors, il attend. Quand c'est prêt, il revient. Mon frère, mon japonais est déjà arrivé, non? Waouh, les gars, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Tous accusent Paul Biya. Mais c'est une technique. On appelle ça la technique du bouc émissaire. Une personne accuse le président 2, 3, 4, 5. Quand c'est déjà 20, 30.
Là, ça devient important. Et là, le président peut sortir. C'est la même chose, la même stratégie qu'ils ont utilisée avec la crise anglophone. La crise anglophone, je fais un petit parallèle, la crise anglophone a été organisée par le parti politique qu'on appelle le MSC. Parce que le MSC, la stratégie était créer une insurrection. Mais pour créer une insurrection, il fallait avoir un alibi. On ne crée pas une insurrection comme ça. Pour qu'une insurrection réussisse, il faut d'abord un événement avant. Et cet événement, fabriqué de toutes pièces, c'est la crise anglophone avec l'histoire des avocats. Comme quoi, les avocats ont été au cœur de la déstabilisation de notre État. Nous, on les a déjà avertis, hein. On va phagocyter le métier là quand on va arriver au pouvoir à Yaoundé. Les avocats. Mais mon frère, la technique du bouc émissaire, c'est fini. Puisque quand tu découvres déjà que c'est la technique du bouc émissaire, c'est fini, les gars, ils n'ont plus de dents, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que quand je parle avec un gars du MSC, pour bien faire quoi? Non, c'est trop, il faut qu'il quitte. Voilà le langage. 37 ans, non, c'est trop. Il faut qu'il quitte. Technique du bouc émissaire. Il n'y a pas la lumière. Ils accusent Paul Biya. Ils protègent le DG de INEO. Comme a dit Barat, le monsieur qui est en Colaf en bas là. Monsieur qui disait l'INEO. Hein? Le monsieur que Steve Faye est parti donner le machin là. Il faut que vous compreniez exactement quelle est la situation du pays et comment ça fonctionne. Allô, Abdel. Oui, Jean-Noël. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Noël. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ceux qui nous suivent là, qui sont en Europe et en Afrique, parce que c'est un gros sacrifice. Rester éveillé à des heures indues, vraiment, je voudrais remercier tout ce monde-là. Je t'ai envoyé un message aujourd'hui en inbox, là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai, mais je mets toujours des mais. Mais comme j'ai vu ça dans la page officielle, qui était, disons, la page officielle du ministère du Développement urbain du Cameroun, c'est pour ça que je voudrais en parler. Nous comptons beaucoup sur Madame Kecha Cortez. Nous comptons beaucoup sur elle parce que tout le monde a mis beaucoup d'espoir sur elle. Mais j'ai vu un document qui a été signé par elle qui m'a laissé un peu interrogatif et j'ai fait un post. Attends, s'il te plaît. J'ai fait un Non. post pour que vraiment si. Non. Attends d'abord, attends. Oui. Oui. Avant de faire le poste, vérifie l'information. Comment tu dois OK. vérifier l'information? Kétia Kourtès vient de trouver que Mbwentu avait déjà envoyé les noms du concours. Non, regarde, je ne l'accuse pas. Je ne suis pas en train de l'accuser. C'est juste un appel que je fais pour que vraiment qu'on reste dans la dynamique. C'est-à-dire que quand même, c'est un appel qu'elle elle-même puisse regarder ça. Parce qu'il est incompréhensible que le Cameroun sort une liste de personnes qui vont dans une école. Je pense que c'était des ingénieurs, non? Je pense, je crois. Une école. Urbaniste, architecte. Voilà, urbaniste architecte. C'est une Et bourse de l'État. que sur une liste de. Je pense qu'il devait avoir plus de 10 noms. Et que sur toute la liste des 10 noms, qu'il y ait 9 personnes au minimum, 9 ou de les 10 qui sont originaires de l'Ouest. Ça, c'est grossier.
C'est grossier. C'est-à-dire qu'on peut se cacher le visage pour ne pas voir ça. Et je n'ai pas vu des gens critiquer cette liste-là. Vraiment, c'est grossier, c'est cousu de fil blanc, c'est tellement visible que c'est moche à voir. Que vous voyez une liste, je pense qu'il y avait quand même plus de 10 personnes, et que sur une liste de plus de 10 personnes, quand je dis 9, c'est sous réserve que la 10e personne soit de l'Ouest aussi. C'est pas possible. Dans un pays qui compte autant d'ethnies que le Cameroun, j'ai posé dans le poste, je demandais, est-ce qu'il n'y a que les personnes originaires de l'Ouest qui ont réussi à cet examen-là? Vraiment, ça fait que vraiment on se pose des questions par rapport à ce genre de choses. On ne veut pas déchanter. Nous ne voulons pas déchanter. Quand on parle souvent ici, ce n'est pas pour stigmatiser les gens. C'est juste pour que nos frères aussi, de l'autre côté, qu'ils se regardent dans le miroir et se disent que, quand même, ceux-là, voilà, nous sommes en train de parler du nord-ouest et du sud-ouest. Que nous autres, on se regarde dans le miroir, on se dit, est-ce que ces gens-là ont une petite part de vérité dans ce qu'ils disent? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme effort pour que ils sentent qu'ils ne sont pas mis de côté dans l'ensemble? Voilà, quand on se pose ce genre de situation-là, c'est quand même pour que nos frères aussi de l'Ouest, là, qui se regardent dans la glace et se disent que ceux-là même qui sont en train de parler, est-ce qu'ils parlent de mauvaise foi? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, est-ce que ce qu'ils disent là est faux? Vous ne pouvez pas avoir une liste d'une école internationale sur les bourses de l'État du Cameroun où sur plus de 10 personnes, il y a une liste faite que de personnes originaires de l'Ouest. Maintenant, j'ai vu un seul nom originaire du centre, sur la grande région du centre sud, là, un nom qui était dans la liste d'attente, la deuxième liste d'attente. C'était un seul nom. Il y avait deux noms dans cette liste d'attente-là. Le premier nom était un nom originaire centre sud, mais le deuxième nom de la liste, dans cette fameuse liste d'attente, était encore une personne originaire de l'Ouest. Vraiment, vraiment. Quand même, quand on fait des choses, quand même, il faut quand même avoir la dextérité de saupoudrer un peu. Mettez même si a dit non, mettez même si c'est 5 de l'Ouest. Et puis vous commencez à dispatcher aussi un peu pour les autres. Vous ne pouvez pas faire qu'il y a une liste qui arrive, il y a près de 10 personnes. Quand je dis c'est approximatif, je n'ai pas vu le nombre exact. Et si tu peux m'aider dans ce nombre de personnes-là. Si c'est possible que tu lises les noms de la liste pour que ceux qui nous écoutent comprennent que nous ne parlons pas de mauvaise foi. Je te laisse un petit peu regarder ça. Ensuite, je continue. Regarde le dernier message que je t'ai envoyé. D'accord. Il faut Ne lire parle pas. ça. Il faut lire pour que nous. Il faut lire. C'est trop flagrant. Non, mais lis pour que tous ceux qui sont là, parce que tous n'ont pas eu le message. Il faut lire parce que on trouve souvent que nous exagérons un peu. Il faut lire que tout le monde comprenne. C'est mieux de lire la liste. Elle n'est pas très longue. Tu peux la lire. Ça prendra pas de temps. Non, là, je ne lis pas. S'il te plaît, Abdel. Abdel, regarde. Abdel. Je veux pas Non, stigmatiser Abdel. les gens. Non, Abdel. Ce n'est pas. Non, nous sommes en train de parler. Nous ne stigmatisons pas le monde. Nous voulons simplement que ceux qui font ce genre de choses-là, quand même qu'ils aient pitié des autres Camerounais. Abdel, il faudrait Ceux peut-être que tu lises cette liste. qui font ce genre de choses, on les appelle les mandarins. Mais il faut que tu lises, Abdel, pour que les gens comprennent. Le directeur de la planification et de concours du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, celui que tu dois chercher, cherche son nom. Oui, je ne refuse pas, je n'accuse pas Madame le ministre, je sais qu'elle est arrivée, mais je dis que Madame le ministre, c'est une façon de l'appeler aussi, à essayer de rappeler son équipe, l'équipe qu'elle a, à dire que prochainement, ce genre de choses ne devraient pas avoir lieu.
Ce serait bien, Abdel. Ce serait bien que si, moi, je ne peux pas couper le direct pour lire. Ce serait bien quand même que tu lises pour que les gens comprennent. Je vais partager aux gens inbox. Bon, donc, quand vous voyez dans ce genre de situation-là, et qu'on passe le temps à dire aux gens que c'est les Boulous qui tuent le Cameroun, c'est les Boulous qui gâtent tout, c'est les Boulous qui gâtent tout. Vous avez une liste de près de 10 personnes où il n'y a que les gens de l'Ouest, avec une deuxième liste d'attente. Papou, laisse-moi me laisser parler. Avec, non, 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 vas-y, vas-y. Avec une liste d'attente où il y a deux personnes et que il y a une seule personne originaire du Grand Centre Sud et que la deuxième personne de la liste d'attente soit encore quelqu'un de l'Ouest. C'est vraiment, c'est bon. Moi, je vais arrêter, je vais couper court là-dessus. Vraiment, c'est, j'ai regardé ça. Je me suis dit, mais c'est waouh. Bon, quand on parle de la technique du bouc émissaire dont on parlait là tout à l'heure, il y a des gens qui, comme on dit souvent, il y a des gens qui causent des dégâts à la République. Mais, tu sais, il y a une technique que les gens ont utilisée toujours, c'est de verrouiller les médias, s'emparer de tous les médias pour que personne ne puisse avoir la parole, que personne ne puisse dire quelque chose, C'est ce contredire quelque chose. qu'on a fait en 90, c'est fini, Facebook est là. C'est la même technique que certains clubs de football utilisent. C'est-à-dire que dans un championnat, tu vas voir un club qui va racheter tous les meilleurs joueurs d'un championnat, quitte à les laisser sur les bancs de touche pour assécher les autres clubs. Vous avez donc des gens qui vont acheter la presse au complet, ils vont mettre des gros sous, ils vont commanditer des articles pour dire des contre-vérités, ils vont accuser les autres, ils vont dire tout et n'importe quoi, et ils ne vont pas permettre que des personnes réagissent. Quand vous voyez par exemple une situation comme une chaîne comme France 24, par exemple, quand on accuse le Cameroun sur France 24, qui va aller réagir? Qui va aller réagir? Vous avez vu ce que la BAS a fait pendant longtemps? Ils étaient couverts par RFI, France 24, TV5 Monde. Mais est-ce qu'ils ont appelé quelqu'un parmi les patriotes pour dire, venez aussi nous dire votre part de vérité? Non. Donc, on va salir quelqu'un, on va salir le président de la République pour le présenter comme celui qui gâte le pays. Voilà une liste comme celle dont je parle là tout à l'heure, je parlais tout à l'heure. Est-ce que le président de la République connaît qu'une liste comme ça existe? Il ne connaît pas. Et des listes comme ça, celle-là, c'est parce qu'elle a été affichée qu'on l'a vue. Il y a plein de listes comme ça qui sortent avec des choses pareilles, mais que nous, qui nous passent sous le nez parce que Internet n'existait pas encore, on ne balançait pas tout sur Internet comme ça. Et moi, je pense que Madame Cortès, même peut-être que, je ne sais pas si elle a lu cette liste-là, en la faisant balancer comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle pouvait s'imaginer que les gens iraient remarquer ce genre de choses-là. Donc, ce que je souhaiterais proposer pour toi maintenant, Abdel, c'est que de temps en temps, tu sais, les sujets que tu abordes et que nous abordons tous ensemble sont des sujets parfois qui ont des rebondissements. Donc, Ouais. voilà. Donc, je te proposerai, c'est une proposition, que lorsque tu fais le débat, il faudrait peut-être permettre aux autres peut-être de rebondir de temps en temps lorsque il y a des réactions à certains sujets, à certains propos. Par exemple, ce serait quelque chose d'assez dynamique. Ça nous permettrait OK. d'être beaucoup plus dans le débat. Je vais Le d'abord web m'arrêter là. la Oui, web TV. vas-y. La Web Oui. TV va résoudre le problème parce qu'on sera à l'écran 4. Ok. Je pense qu'il faudrait que ça bouge plus. Moi, je vais essayer de communiquer avec Atangana pour savoir. Il faudrait qu'on sache exactement à quel niveau on est et s'il y a des participations à donner. Je sais qu'il a donné des numéros de compte, mais je ne sais pas, je n'avais pas pu retenir quoi que ce soit là-dessus. S'il peut nous les recommuniquer pour qu'on puisse. C'est dans ton adresse email. Ok.
Ok, je vais essayer de fouiller ça et regarder. Vraiment, je voudrais, s'il te plaît, Abdel, il faudrait que la liste là que je t'ai envoyée là, il faut que la liste, que les Camerounais voient. Parce qu'il faut prendre les gens à témoin. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on nous accuse de venir dire tout et n'importe quoi. Là, on agit avec des preuves. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à dire, Paul Biya, Biya gâté le pays, Biya gâté le pays, les boulous ont tout, les bêtises ont tout. Voilà une liste. Voilà une liste, c'est une liste du Cameroun, la République du Cameroun. Les impôts de nos parents, les impôts de nos frères et sœurs, les impôts du pays. Quand les gens disent que les impôts du pays sont consommés par tel, voilà une liste. Je voudrais, s'il te plaît, Abdel, moi je t'exhorte et je vais lancer même un vote là. Je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent là, nous allons forcer la main à Abdel. Zéro pour celui qui ne veut pas voir la liste. Un pour celui qui demande que la liste soit, qu'il lise la liste au complet. Bon, je vous laisse, je suis, on continue tout à l'heure. Merci. La démocratie. Votez. Moi, il ne veut pas lire la liste. C'est zéro. Lui, il veut qu'on lise. C'est un. Votez. Ce que vous décidez, je vais faire. Mais moi, je suis zéro. Celui qui ne veut pas, moi, je ne lis pas. Votez. Je dis, j'envoie la liste inbox, c'est mieux comme ça. Ndiama, tu mets ton téléphone comme ça, horizontalement, ça va passer. Si tu mets vertement, ça ne passe pas. Mets ça horizontalement. Votez, hein? Votez, j'attends, votez. Zéro à gagner. Zéro à gagner, donc on ne lit pas. Bon. Mon frère, blague à part. C'est le nom des gens. Comment? Soyez raisonnable. Comment? C'est le nom des gens. Ils ont fait le concours. C'est pas parce qu'ils ont fait le concours. Ils ont fait le concours. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien fait. Leur nom, c'est leur nom, mais ils n'ont pas, c'est pas eux qui ont organisé le concours.